last month. Salut tout le monde, c'est Ali du Tâche d'Élégance, retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, voilà, très spéciale même, parce que c'est le premier épisode de la série achat-revente sur FUT16. Voilà, retour Neymar, comme je vous l'avais dit. Donc ça sera du lourd, je vous l'ai dit maintenant. Voilà, dans cet épisode, ben, j'essaie de faire des trucs assez sympathiques. Voilà, même si en ce début de phase, c'est assez dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent. Du coup, il y a moins d'acheteurs, mais bon, on va voir ça dans la vidéo. Tout de suite, je ne serai pas en facecam parce que je vois pas l'utilité. Allez, c'est parti. Voilà, on va tout de suite commencer cet épisode, les gars, avec un petit Raphaël que j'ai acheté à 400 crédits et que je vais revendre en sentier. Je l'avais acheté, donc c'était une bonne affaire. Donc, je vais revendre à 850 crédits, voilà. Ensuite, il y aura un joueur qui s'appelle, voilà, un petit joueur anglais de Sunderland que j'avais acheté 200 crédits. Je vais le remettre à 250, certes, c'est pas beaucoup, mais bon, pour le début, c'est pas mal en tout cas. Voilà, ensuite, je vais enchaîner avec un autre joueur de BPL. Un défenseur central cette fois-ci. Donc, c'est assez sympathique, donc on va se vendre à 250. Voilà, c'est pas beaucoup, mais bon. Voilà, ensuite, un autre joueur de BPL, c'est une technique que je vous invite à faire si vous avez pas de crédit assez. Voilà, c'est une technique qui est assez connue en ce début. Voilà, là, je suis parti faire vente rapide aux joueurs que j'avais eu dans les packs, les packs gratuits. J'ai fait vente rapide à tout, voilà, là, comme vous voyez. Voilà, j'ai pas d'excellents joueurs, donc je me suis contenté de tout faire en vente rapide. Ensuite, j'ai enchaîné avec un Hacham Rani, le joueur qui était argent l'année dernière et qui était d'ailleurs extinct en TOTS. J'ai acheté à 1600 et je l'ai vendu à 2100 crédits. Ensuite, on va enchaîner avec un défenseur gauche. Voilà, qui a de très bonnes stats. J'ai acheté à 200, j'ai revendu à 350, si je me trompe pas. Ensuite, j'ai acheté un pack bronze parce que je voyais pas trop quoi faire. Et ce que j'ai fait, j'ai remis les éléments à 200. Et comme vous allez voir, c'était une terrible erreur de ma part parce que j'ai fait que perdre mes crédits, j'ai tout remis à 200, mais rien ne s'est revendu. Là, vous voyez, je vais tout mettre à 200. Mais rien s'est vendu, c'est dommage. Je croyais que ça allait marcher, mais bon, après j'ai compris que comme il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs, étant donné que ben, la version sur PS4 n'était pas disponible, ben, il y avait moins d'acheteurs qui achetaient les packs, les contrats en bronze, etc., comme à l'habitude. D'ailleurs, l'année dernière, ça marchait très bien. Là, je me suis contenté de tout lister, comme vous le voyez. Voilà, c'était juste, je perdais mon temps, voilà quoi. Je voyais pas trop quoi faire, donc ben j'ai essayé. En tout cas, si j'essaie pas, ben je vais jamais découvrir quelque chose. Mais c'est pas grave. Là, j'ai continué à lister. C'est un peu long, je suis désolé. Mais c'est presque fini. Allez, le dernier cuisson pourri que j'espérais vendre, mais que ben je me suis trompé, voilà. Ensuite, j'ai eu le cadeau du jour, les gars. Ben 500 crédits, assez sympathique, qui va permettre d'avoir plus de crédit et une plus grosse base. Là, vous voyez que tout s'est vendu, les gars, de la veille, à part le Rafale, je vais revisiter, Chamrani, etc. Tout s'est vendu. Tout s'est bien revendu, voilà. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'appli web de cette année, ben, je trouve que ça, c'est clean, les gars. Ça veut que beaucoup moins que l'année dernière. Je pense qu'ils ont fait des efforts au niveau des serveurs. Voilà, c'est quand même une grande entreprise. On va parler des DI. Là, vous voyez, Raphaël s'est vendu à 850. Ensuite, là, comme je vous l'avais dit, j'ai fait vente rapide à tout ce que j'avais eu dans le pack bronze parce que bah, ça voulait pas se vendre. J'avais listé deux ou trois fois et ça voulait pas. Donc là, j'ai tout retiré en vente rapide, tout simplement. Et puis, c'est tout. Ensuite, là, c'est la plus grosse affaire de l'épisode. J'ai acheté une carte chasseur à 1800 crédits et je l'ai revendu à 3300 crédits. Je me suis fait un petit bénéf assez sympa. 1500 crédits pour un début, c'est parfait. Ensuite, une autre à 2400. Donc, c'est une technique que je vous invite à faire, les gars. Vous spammez cette carte et là, vous trouvez des exceptions automatiquement. Mais il faut spammer pendant assez longtemps, on va pas se mentir. Et les gars, c'est déjà la fin de l'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était AliTutHD. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode. Bye tout le monde.